Bonjour et bienvenue dans ce quatrième match de la deuxième saison de la Next 7 Soccer League. Premier match de ce groupe D qui verra s'opposer Norster à Arnhem City. Je serai accompagné de Maxime Magaliech. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau match. Pour Arnhem City, on peut voir un petit 4-3-3 assez classique, avec des nouvelles recrues, avec un milieu polyvalent et assez solide. Avec comme capitaine le meilleur gardien de la saison précédente. Et donc pour Norster, une équipe toute nouvelle avec un dispositif assez particulier, un 3-4-3, qui peut majoritairement serbe avec quelques Portugais à droite et à gauche, un Italien et un Portugais pour être exact. Ah, c'est la famille, c'est la famille. Et donc Norster, léger favori par rapport à ce match, et favori de la poule de manière générale. Prestige pour Celic, le capitaine. Petite percée vers la gauche, c'est Raïro qui revient bien. Ouh, ok, petite faute de la part de Maisonneuve. Maisonneuve sur Raïro. Okay, et la croix, la croix qui dribble, risqué mais payant. Petit extérieur du pied, très beau, j'ai bien aimé. Ok, petite percée du joueur, il tombe par terre. Ok, non, c'est une faute, autant pour moi. Ouais, encore une faute, ça joue un peu du coude, j'ai l'impression. Ah, de mon point de vue, il le traîne par terre, mais... Allez, flageole. Okay, intérieur du pied au centre, ah, ça a été ressorti. Ok, alors, okay. On construit. Ah, dommage. Bernard qui peut prendre le ballon. Sivan, tacle de Panetti. Une petite accélération. Il va peut-être tenter un centre. Oustajitsu, là, ça a failli passer. Heureusement que Upstar est là. Oh, c'était... Oh, dangereux ce move, mais bon. T'es sûr qu'il était venu pour le ballon, là? Oh, ça s'enchaîne là. Ah ça ouais, s'enchaîne. Il n'y a que des fautes là depuis 5 minutes. Oh, oui, il a pas du tout joué le ballon. Il a pas du tout joué le ballon. Bon, ils ont l'air de s'expliquer un petit peu sans problème. Ok, Saavedra. Okay. Grosse percée. Oh, il y a un coup à jouer. Là, il en avance. Il y a un coup à jouer. Ok, sur le gardien qui garde bien des pieds. Et Saavedra qui n'était vraiment pas loin d'ouvrir la marque. C'est vraiment dommage. Petit extérieur pointard qui n'a pas su trouver. L'ouverture, le gardien était dessus. Quel dégagement de Norster. Oula. Ouh. Super transversal. Couloir gauche, peut-être. Kuzmanovic, 1 contre 1. Il a l'air d'être passé. Oh, ça passe en dessous des pieds du gardien. Oh là là, bravo, bravo, bravo. Très très beau but. Il a joué tout seul. Magnifique. Et là, ils ont raté une occasion et derrière ils se sont fait punir. Et c'est le capitaine qui s'offre le luxe de faire une passe décisive. Très belle passe décisive d'ailleurs. Corner de Norster, assez court. Peut-être le deuxième joueur. Ah non, il court, je pense pas qu'il l'aura. Ah, quoique. Peut-être une passe en retrait. C'est Raïro qui a failli reprendre le ballon, c'est pour Sivan. Ah non, le ballon est sorti, apparemment. Très très bien. Alors, Kuzmanovic, suivi par Upster. Oulala, pour Ostojic. Ouh, c'est dangereux. Qui rate le cadre. Oh. Tout à fait. Je crois que le ballon était contré. Alors, Vechelsdinger. Vechelsdinger qui fait une grosse ouverture et qui a une faute, non? Ah, ouais, on revient à la faute, c'est bien. Il va peut-être la tenter direct. Peut-être tenter un centre, on va voir ça. C'est peut-être assez proche pour tenter un direct. Ouais, on a Noé Maisonneuve dans la boîte. Allez, c'est parti. Non, c'est pas direct, c'est pour Maisonneuve qui est un peu trop court. Ah, c'est dommage. Hein. S'il était pas hors jeu. Ah. Allez, Gazic. Oula, raté. Le 6 mètres. Pour Saavedra, allez, cette fois-ci, il faut pas rater. Et il se fait reprendre le ballon par Ristić. Et j'ai la K qui dégage. Oula, chute. Kuzmanovic qui va refaire un 1v1 contre la croix. Et qui le dépasse encore. Oh, bel arrêt de Noël Mouzembois. Ouh, deuxième bel arrêt. Double arrêt. Super. Incroyable. Super joli. Monstrueux le gardien. Ouh, ça passe pas loin celui-là aussi. Putain, ils se font enchaîner de bastos là. Ouh, mais le gardien reste solide. Ah, le gardien reste solide. Bah, il a fait une petite erreur là, il se rattrape. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup de mal sur son couloir. Ouh, une petite béquille qui est passée. Ça siffle pas, mais ça aurait pu. Hein. Ok. Oula, passe au gardien qui lui récupère la main. Bah, ça va être coup franc direct. Hein. Non, là, l'arbitre ne dit rien. Bah, oui, c'est bien avec les pieds. Hein. Je comprends pas. Ah ouais, non. Petite erreur d'arbitrage. Il me semble pas. Peut-être qu'il va regarder la VAR, je sais pas. Malheureusement, on n'a pas le budget pour la VAR. Ah, c'est dommage. Dommage, là ils ont pu revenir dans le match. Ah, je croyais qu'on était en première ligue, my bad. Eh putain, Kuzmanovic, danger numéro 1 de cette équipe. Hein. C'est. Oula. Oula, il a 6 œils en 2. Ouh, il a
Mais il a failli passer, il a failli passer. Il va falloir que l'arbitre commence à sortir les cartons s'il veut pas que les fautes s'accumulent. Parce que là, c'était vraiment grossier. Il y a un peu de temps additionnel. Pour un joueur claqué. Ok. Enfin, fatigué plutôt. Bon, il était claqué, il était claqué. Ouais. Allez, faut reprendre le ballon, ça aidera. Il y a un coup à jouer. Ah, malheureusement, il rate le double contact. Aïe, aïe, aïe. Et fin de cette première mi-temps. On se retrouve pour la prochaine. Le match va reprendre. Des remplacements vont être effectués dans les deux équipes. Quelques changements, surtout en attaque pour Arnhem City qui n'a pas su trouver la faille. Et ça reprend directement avec Serrairo. Serrairo qui peut enclencher. Waouh, balle fuyante et deuxième alors, but la magnifique. Du joueur portugais. Magnifique. Ça, on apprécie. Ah ouais, elle a volé la balle. Magnifique. Ah, elle est fuyante, c'est magnifique. Génial. Les gens sont venus. Les joueurs adversaires sont venus trop tard sur lui et c'est bien fait. Oh là là, oh, oui, ça c'est énervant de perdre le ballon si vite. Oh là 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 là. Oh là là là. Et des fautes. Ouh, ouh. Ouais, des fautes. Ok, décidément, là, c'est... Arnhem City est en train de se noyer. Ah là, c'est. Ah, dangereux la faute quand même. Un des favoris de la première saison qui perd peu à peu son statut. Et coup franc. Oh là là. Ouh. Il y a eu un sacré bruit, ouais. Le joueur l'a pris dans les côtes. Oh, le poulet de canon, les ouais, pauvres. À mon avis, il va y avoir un changement. Arsène qui va pas forcément continuer longtemps. Et donc, comme convenu, Arsène va céder sa place. Et c'est Mustapha Sivan qui va revenir en jeu alors qu'il était sorti en mi-temps. Il n'aura donc pas été sur le banc très longtemps. Tandis que Norster en profite, Ostojic va céder sa place à Hugo Bodrozic, le frère de Romain Bodrozic. Ouh, le joueur d'Arem qui tente une transversale. Effectivement, c'était bien tenté. Et ça a failli être pris par Saavedra. Et le capitaine qui, oh non, malheureusement. Qui dégage sur Sivan. Ouh, il reprend la balle, faute. Magnifique. Ah. Petite faute et Sivan qui récupère le ballon. Du coup. Ah ouais, ok, j'allais dire que c'était pas une faute, mais... Non, okay, non, il est tombé comme une carte. Ah, malheureusement, c'est pas carré. Ah ouais, non, rien à voir. Non, c'était un peu... moi aussi au début, mais... Ah, et Saavedra qui laisse sa place à Elliot Bernard. Un peu de 109 en attaque, ça fera pas de mal. Où ça joue bien. Oh, ça combine. Ça joue très très précis. Bozak qui a fait son entrée en mi-temps. Oh, malheureusement, oh là là. Il manque un peu de vitesse, Hugo Bodrozic. C'était magnifique, l'action était incroyable. La Maisonneuve qui se... Il joue un petit peu avec les nerfs de Dylan Serrairo. Et Serrairo qui reprend le ballon. Et qui se retourne pour se moquer du joueur. Petite talonnade. Ah putain, c'est très très technique. Oh, très joli ballon. Ah, dommage. Allez, Ivan Kuzmanovic qui va aller le chercher. Et Dylan Serrairo qui laisse sa place pour Ostojic qui va revenir en jeu. Allez, Sivan, Bernard. Allez, Bernard qui fait une belle passe pour Maisonneuve qui se crée une occasion. Ah, il a fait un contrôle beaucoup trop long. Ouais, c'est dommage. Mais Arnhem City a beaucoup de mal dans ce match-là. Petite domination quand même de Norster. Oh là là, c'était pas loin. C'était la mauvaise cage, mais c'était pas loin. Il joue avec la défense de Arnhem City. Ah ouais, mais si même les remplaçants chez Norster sont efficaces comme ça, ça va être compliqué. Hein. Voilà, et même le gardien s'en sort pas. Heureusement, Hugo rate sa frappe. La frappe totalement dévissée. Mais décidément, c'est pas leur jour. Hein. Allez. Roman Bodrozic, Bozak, allez, il faut avancer, ça ils gagne du terrain. Ils peuvent rien faire. Ils sont compacts, mais voilà. Et Noan Bouzemboa qui se reprend du ballon. Et Gazic qui sort de sa qu'est-ce zone. Qu'est-ce qu'il fait le gardien? Il est confiant. Il est très très confiant. Et Ostojic qui fait une petite percée. Il est un peu il a le temps de reprendre son souffle. Et Vechelinger qui remonte sur le terrain, ça va mieux. Et Noah Maisonneuve, puis il va laisser sa place. Il y aura peut-être une occasion à se faire. Ouais, ça me paraît très compact hein, dans le bloc, hein, même s'ils sont proches de la zone de vérité. Dégagement de Seyit. Les joueurs de Norster jouent avec les joueurs d'Arnhem City. Hein. C'est... Ouais. Et petite occasion quand même à ne pas négliger de Nassim Daiming qui a failli faire quelque chose. Et là, le gardien qui s'est troué. Et le joueur aussi. Ouh. Ah, c'est dommage, hein. Deux offrandes comme ça, ils n'ont pas réussi à en cadrer une.
C'est vraiment, vraiment dommage. Très, très, très loin du cadre. Et tout le monde se prend la tête dans les bras, tout le monde est dégoûté. Et ça se comprend. Oh, raté. Ouh, une très belle récupération de balle. Mais il la perd de suite. Oh, la main un peu haute. Ouh là là. Ah, il a coupé l'action. Petite balayette quand même. Petite faute un peu stratégique. Et fin du match. Et donc, on vous laisse avec les interviews d'après-match et les statistiques. Et on se retrouvera bientôt pour le prochain match qu'on a hâte de vous présenter avec Maxime Magalhaes, Sampard Stanfield. Et bonne soirée à tous. Alors, je suis avec l'équipe d'Arnhem City. Vous avez perdu ce premier match. Qu'est-ce qui a fait cette défaite? On était trop écartés. On n'était pas assez dans le jeu tous ensemble. Mauvaise passe. Je pense qu'il y avait beaucoup de défauts dans la défense surtout. Donc voilà, c'est à revoir tout ça. C'est à revoir. Ok, donc vous comptez améliorer la défense sur les prochains matchs? Améliorer la défense, améliorer les déchets, beaucoup de déchets, mais franchement on a la possession et tout, c'est juste on se fait niquer sur les contres, désolé pour le gros mot, et c'est ça, on a la possession devant, faut juste bosser la défense, bosser le marquage. Et ça j'aimerais faire. Passer un petit mot à l'arbitre, s'il pouvait arrêter son métier, ça serait pas mal. Il est payé en plus, hein. Attention. Eh bah écoutez, merci beaucoup. Alors, l'équipe de Norster, vous avez gagné ce match avec 2 points. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? On a fait plutôt un bon match. Première période assez facile, la deuxième un peu plus dure au niveau physique. Après, en soi, ça va, on a fait un assez bon match. Et on a un bon coach. Heureusement qu'on a un bon coach. Moi, pour vous dire, moi, je suis coach, je représente l'équipe. Hier soir, c'était très compliqué, on a fêté un 18e anniversaire. On n'a pas dormi, toute l'équipe elle est KO, mais c'est pas ça qui va nous tenir. Ok, donc assez mal parti à la base et finalement assez content. Ouais, on a une bonne équipe. On a une assez bonne équipe. C'est plus en fait, c'est plus physiquement que c'est plus dur. C'est le physique parce qu'il y a des fumeurs, enfin il y a tout. Donc c'est physique, en plus il fait chaud. Surtout, il faut être là jusqu'à 17h ce soir. Ça aussi, ça va être ça le plus dur je pense. Mais non, en soi on a confiance. Donc voilà. Et bah écoutez, merci beaucoup.